feu de la pétarde. Les gars, c'est Turfu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Tout simplement, on est à nouveau avec qui? On est avec le frère. Avec Robinou. Et R1, avec R1 R7. Les gars, on a ressorti donc le R7 Martini. Donc aujourd'hui, tout simplement, on va faire qu'est-ce qu'on n'a pas fait la dernière fois parce qu'il pleuvait. Bah le petit essai hein. Les gars, on se doit de faire un petit essai routier. Donc le R1 tu sais que l'idée du R1 c'est resté dans la tête. Ah, en fait, gros, en fait les gens ils vont être aidés. En fait les gens ils te demandent quoi à chaque fois quand ils voient la moto? Ils me demandent R6 ou R1. R6 ou R1. Ouais. Donc ça veut dire les gars, regardez-moi ce monstre. Bon, juste avant que la vidéo commence, merci aux derniers abonnés qui s'affichent actuellement à l'écran. Donc n'hésitez pas à faire pareil, à vous abonner, activer la petite cloche des notifications. Les gars, on rush les 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Il y a quoi comme modification actuellement sur la moto? Petit rétro rhizoma. Donc on a des petits rhizoma. Clignotants, les plus. Donc ça c'est 200 balles les clignotants, c'est ça? Bah ah, ouais, 100 euros la paire avant et rien. Ok, ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? Petite bulle teintée. Ok. Donc c'est le pug. C'est ça. Donc là c'est de la vraie marque. Voilà. Ça c'est quoi? C'est poignée rhizoma. Ok. Bah, covering complet, nacré bleu. Donc covering Martini. C'est donc ça. Franchement le covering on en a rien à dire. La ligne. Ça c'est le monstre, le SC Pro, je sais même pas quoi dire, c'est une canette quoi. Ouais vraiment, c'est une canette. En fait c'est un trou dans le moteur. Ah vraiment là c'est cool. Les gars, c'est R7 qui fait le plus de bruit sur Paris ou bien en France quoi. Ah c'est chaud là. Déjà les gars, moi j'ai dit, ça c'était le plus beau R7 de France. Il soit humble, il est humble, mais pour moi c'est le plus beau R7 de France. Et derrière voilà, quand on a fait le tour de la moto, c'est une moto qui a super de plaques. C'est une moto qui a coûté combien ça? Moins de 9500. Moins de 9500 euros, ouais. Et c'est ta première moto en A2. Ouais, c'est ça. Ok. Bon bah, les gars, bah on va voir qu'est-ce que ça vaut. Est-ce que t'as des petits conseils ou des choses à me dire avant de tester cette moto? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pas? Fais-toi kiffer. Hein. Fais-toi kiffer. Ouais. Mais on est sur Paris, donc respecte. Les gars, on va se faire amender. Hein. On va finir devant le tribunal, devant la juge. Bon du coup on les gars, pas c'est les 135 pas. Euros les gars, déjà, on va se faire un petit tour de la place Vendôme. On va voir tout simplement comment réagit cette bécane. Ta petite R7, magnifique les gars. Cette R7 franchement elle est belle. Voilà, c'est le projet des démons. Écoutez-moi ça. Écoutez le son que ça fait. Après c'est pas une dinguerie. C'est une dinguerie. Est-ce que c'est pas monstrueux le son? Les gars, sur ces projets, c'est une canette. Petit essai de R1. La R72. R71. Bon les gars, c'est parti en exclusivité, je vais tester une R1 en A2. En bridé 47.5. Les gars. Bon c'est parti, l'essai du R7 sur Paname. Oh, R7 Paname. Ça fait un bruit monstre. J'aime beaucoup, c'est les petits retours, les petits pops. Franchement, ils sont incroyables. Allez, ouais, y a la police. Ah ouais. Ouais.
un top choice. Ta moto? Ta moto c'est quoi? Eh hey gros, il y a un petit DBX là, sympa. Ta moto tu sais quoi? C'est une cocotte minute. Poc, 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 poc. C'est une machine à popcorn. C'est du popcorn mon reuf. Allô? Ça se conduit, bon bah R7 normal, mais juste le son. Allô, le son c'est une dinguerie. Même quand t'essayes de pas faire de bruit, t'es cramé. On a recroisé la 296. Je sais pas si tu t'en rends compte, quand tu fais pas de bruit, t'es cramé. C'est. Comment tu conduis ça tous les jours? Ah non, en plus, c'est... Bon, les gars, du coup, c'est la fin de la vidéo avec ce magnifique R7. Moi, ce que vous en pensez du son et tout simplement, les gars, de. C'était quoi cette conduite? Les gars, c'est une machine à popcorn. Donc, les gars, dites-vous, à 18 ans, on peut conduire ça. Honnêtement, à 18 ans, tu donnes ça à un gamin, il va te faire ce bruit-là. C'est un peu énervant, mais franchement, c'est cool. Et toi, pour toi, est-ce que c'est la meilleure moto et la meilleure des R1? Meilleure des R9. Ok les gars, abonnez-vous, activez la petite cloche.